Ça va, bébé ? Bonjour, bébé. Comment tu vas ? Je vais bien. Oh, tu es si belle. Merci. Ah, Dieu a pris le temps de te crier, tu sais. Bien sûr. Dommage. Ok, j'ai quelque chose pour toi, la voiture. Vraiment ? Ouais. Qu'est-ce que c'est ? J'espère que c'est du chocolat. Ah ? Ok. Alors, ça c'est pour toi. Merci. Je t'en prie. Pour qui sont les autres paquets ? Ah oui, ça, c'est pour ma mère. Et l'autre pour Obi. Obi ? Ouais. Et pourquoi fais-tu des courses pour Obi ? Non, non, il m'a donné de l'argent pour le faire. Alors, comme j'étais au supermarché, j'en ai profité. Donc, voilà. Ouais. Ok. Et en fait, j'ai un exposé à faire ce matin. Il faut que d'accord, j'y aille. D'accord, bonne chance. À plus tard, à plus d'accord tard. Ok. Ok, bye. Oui. Dépêche-toi. Ok, chérie. Bye. Ok, merci. Je t'appelle. Allô, frère. Mais où t'es ? T'inquiète pas, je serai bientôt là. J'arrive. Tu seras en retard, n'est-ce pas ? Je suis sûr que c'est encore à cause d'une fille, hein. Je suis dans les temps. Ne t'inquiète pas, je serai là, ok ? Dis-moi, une quittée ? Excusez ma présentation. À tout à l'heure, frère. Je serai là. J'arrive. Arrête de suivre les femmes, mec, et viens au travail. Je suis là dans quelques minutes, t'inquiète, à tout à l'heure. Hé, hey, bébé. Salut, chérie. Comment tu vas ? Je vais bien. Ah, regarde-toi. Ça va ? Je vais bien. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci bébé. Je t'en prie. Je suis extrêmement pressé, il faut que j'aille au travail. Ok, d'accord, pas de problème. Moi aussi, je t'aime. Prends plus tard. D'accord. Bye. Ok, bye. Allô? S'il te plaît, peux-tu acheter les médicaments de maman à la pharmacie en rentrant du boulot? Ok, de quoi as-tu exactement besoin? Si tu veux une ordonnance, je te l'enverrai par SMS. D'accord, pas de soucis. Allô, bébé? Je suis devant ton portail. D'accord. Hey. Hey. Bébé, ça alors. Mon bébé. Comment tu vas ? Je vais bien. Comment vas-tu ? Ça va. Super. Je vais bien. Et le boulot ? Attends, bébé, écoute, nous sommes dehors, ok ? Non, c'est pas grave, nous pouvons aller à l'intérieur. Non, 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 écoute, j'ai une réunion dans exactement 30 minutes. Oh, c'est dommage, dans ce cas, vas-y alors. Vas-y. Exactement, d'accord, mais avant, vas-y. J'ai quelque chose pour oh, toi. Oh, c'est gentil. J'ai quelque chose, ouais. Ok ? Ça, c'est pour toi. Oh, merci beaucoup. De rien, c'est pour toi. là, il faut que je parte, okay, d'accord ? Ok, bye. D'accord. Porte-toi bien, d'accord ? Okay, passe une bonne journée. Allô ? Dude, mais où t'es ? Je suis presque là. Je suis presque là. Qu'est-ce que tu fais il y a 30 minutes, mec ? Hein ? Les gens ne vont pas rester là à t'attendre. Je suis presque arrivé. Je suis en chemin, s'il te plaît. Tu vois ta vie ? Personne ne t'a demandé de sortir avec trois femmes, mec. Ah. Mec, mais quelle présentation !
Tout le monde était épaté aujourd'hui, mais félicitations, mec. C'est quoi cette tête? Mais tu m'as l'air bizarre. Je suis fatigué. Fatigué? Un homme qui couche avec trois femmes à la fois ne peut qu'être fatigué, mec. Tu ferais... Ce n'est pas drôle. Ce serait mieux de demander les congés, mec. Ce n'est pas du tout drôle. C'est toi qui sais. Je pensais que ça te faisait plaisir de sortir avec trois chaudasses à la fois. Parfois, je me demande comment j'ai fait pour me fourrer dans ce pétrin. Dude, mais tu vis un plein rêve. Un rêve? Détends-toi, mec. Tu as dit un rêve? Sais-tu ce que ça implique? Mais je pensais que tu t'amusais. Bla, 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 bla. J'ai un an de plus le mois prochain. Je prends de l'âge. Je n'ai plus le temps de m'amuser. Tu parles comme si quelqu'un t'avait forcé à sortir avec trois femmes. Écoute, je sais. Arrête de dire ça, je sais. Ok, c'est quoi la solution? Tu comptes briser de cœur et en garder, hein? Si je pouvais, je crois que je les garderais toutes. T'es fou? Tu veux construire une famille avec trois femmes? J'ai l'impression que tu ne veux plus marcher avec tes deux pieds, tu veux mourir? En fait, je ne sais pas. Attends, tu veux les présenter les unes aux autres, mec? T'as pensé à ta vie? Je veux juste bien faire les choses, je veux me marier. Waouh, pour de vrai? T'es sérieux? Ouais. Ça, c'est un grand pas, mec. Je sais. Ok. Je pense que tu peux les inviter, invite-les toutes les trois. Mais attends, si après tout ce temps, tu as pu sortir avec trois femmes, pourquoi ne pas les épouser toutes les trois? Quoi? Écoute, dude. Tu sais, la polygamie n'est plus d'actualité. Et tu sais que nous devons préserver l'héritage que nos parents et nos grands-parents nous ont légué. Tu as perdu la tête? Mec, tu ne m'aides pas du tout là. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je sais que je suis censé t'aider, je suis juste en train de blaguer, mec. Je ne peux pas te donner ce genre de conseils. Dis-moi, gars, comment va ma Bella? Qui? Ma Bella, non, la seule Bella. Combien de Bella est-ce que tu connais? L'infirmière de maman. Mais Bella, non, l'infirmière de ta mère. Combien de Bella est-ce que tu connais? Allez, mec, ça fait maintenant des années que j'essaie d'attirer son attention. Mais elle ne m'a jamais regardé, je ne sais pas pourquoi elle se comporte ainsi. Et que veux-tu que je fasse? Frère, mais aide un frère. Aide ton frère, non? Mec, j'ai mes propres problèmes. Débrouille-toi avec ça. C'est ce que tu trouves à dire un frère, n'est-ce pas? Ok, pas de problème. Hey. Salut. Tu es rentrée? Ouais. Comment va-t-elle? Elle va très très bien. Elle mange très bien et parfois nous jouons aux cartes. Aux cartes? Oui, nous jouons aux cartes et aussi à d'autres jeux. Oh, je vois. Voici ses médicaments. Ah, merci. De rien. Je voulais lui parler, mais je vais attendre qu'elle se réveille. En effet, je suis sûre qu'elle aimerait avoir cette conversation avec toi le matin. Ah. Tu sais, c'est bientôt mon anniversaire. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais, je m'en souviens. T'en es sûre? Bien sûr que je m'en souviens, ça fait déjà combien 3 ans que je suis au chevet de ta mère. Ah. J'étais ici lorsque tu rentrais l'année dernière avec des cadeaux et des gâteaux. Ah. De ta fête de bureau. Oui, c'est ça. Tu vois que je m'en souviens. Oui, en effet, c'est ça. Tu t'en souviens. Alors, dis-moi, que prévois-tu pour c'est un an de plus? Je veux me marier. Intéressant. C'est bien. Mes félicitations. Non, je n'ai encore personne pour l'instant. Je veux dire, je n'ai personne, ou plutôt, une ou deux personnes. Mais je veux juste l'une d'entre elles. Juste une. Ok, je suis perdue là, je ne comprends pas. Je sors avec trois femmes. Oui, mais je vais m'y décider. Tu sors avec trois femmes? Oui, mais je suis en train de m'y décider. Comment? C'est pourquoi je veux parler à ma mère. Bref, si tu sortais avec un gars qui était déjà occupé, que ferais-tu?
Je ne sais pas. À coup sûr, ça va me faire mal. Oui, mais lui pardonnerais-tu s'il essayait d'arranger les choses? Oui, mais pourquoi ne m'avoir pas choisi avant? Là, tu gagnes un point. Tu gagnes un point. Eh bien, je suis sûre que si tu en parles à maman demain matin, elle te donnera de très bons conseils. Mais comment t'es-tu retrouvée avec trois femmes? Aucune idée. Je veux dire, je sais, tu vois. En fait, ce n'était pas mon intention, mais c'est juste arrivé comme ça. Et bien. Merci encore. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Ma fille. Hein? Ça me fait plaisir de te voir en forme. Et toi, ça va? Ça va. Je te sers aussi ton petit déjeuner. J'étais sur le point de... Ouais, pourquoi pas. Ok. Maman, aujourd'hui, nous avons des légumes frais. Tu aimerais que j'ajoute autre chose? Ouais, ajoute des brocolis. Ok, maman, j'y vais. Ainsi, tu es maintenant un polygame? Ma? Qu'est-ce qu'il y a dans ma? Comment as-tu fait pour te retrouver dans une affaire de trois femmes? Comment as-tu fait ça? Tu disais que tu voulais lui en parler, alors. Maintenant, parle. Tu disais que tu voulais épouser trois femmes. Maman, je ne veux pas toutes les épouser. Je veux juste épouser l'une d'elles. Non. Tu vas épouser l'une d'entre elles. Tu sors avec trois bonnes femmes et tu ne sais pas celle que tu vas épouser. C'est vrai, je ne sais pas qui épouser. Ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Je sais. Maman, c'est pour ça que j'ai besoin de tes conseils. Attends, dis-moi. Tu veux dire que tu aimes les trois de la même manière? Je crois que oui. Ah! Ça, c'est sérieux. Écoute, maman, écoute, bientôt, c'est mon anniversaire, ok? Je n'ai pas envie de vivre avec le sentiment d'avoir trois femmes qui ne se connaissent pas. Ah! Trois. Et aucune ne connaît l'existence de l'autre. Amène-les toutes ici. Tu veux qu'elles viennent ici? Ouais. Et pour faire quoi, maman? Je veux passer du temps avec elles et... Écoute... Je ne t'ai pas demandé de les amener toutes à la fois. Oui, amène-les chacune l'une à son tour. Oh. Ok. Ouais. Une semaine. Une femme. J'aimerais vérifier quelque chose. Fais ce que je te demande. Tu me fais confiance? Bien sûr, maman. C'est d'accord. Alors, j'attends déjà la femme numéro 1. Hey, bébé. Allô, Anita. Anita. Allô. Chiotte. Sylvia, comment vas-tu? Quoi de neuf? C'est qui, Anita? Tu m'as appelé Anita. Ok, personne, c'est juste une cliente. Voilà, j'ai discuté avec elle une minute avant ton coup de fil, alors son nom est resté sur mes lèvres. Ok. Eh ben, je t'attendais aujourd'hui. Oui, je sais, mais j'étais occupé. Beaucoup de travail? Oui, un truc comme ça. Désolée, chérie. Et si je prévoyais quelque chose de spécial demain? Ok, j'aimerais que tu me rendes service, s'il te plaît. Bien sûr, n'importe quoi, bébé. Je me demandais si tu pouvais venir passer le week-end avec moi. Bien sûr, pas besoin de demander. Oh mon Dieu, je vais l'adorer.
D'accord, je t'envoie l'adresse. Ouais, enfin, je t'aime, bébé. Oui, moi aussi. Depuis combien de temps es-tu là? Il n'y a pas longtemps. Je vais au marché acheter du plantain non mûr à maman. Pourrais-tu, s'il te plaît, okay, la surveiller en mon absence? Oui, bien sûr. Merci. Tu sais, tu n'as pas besoin de me dire merci, c'est ma mère. Ok. J'ai l'impression d'être un profiteur. Pourquoi? Sortir avec trois femmes, à la fois, tu vois, et faire croire à chacune d'elles qu'elle est la seule. Nous faisons tous des erreurs. Sortir avec trois femmes, ce n'est pas vraiment une erreur, tu sais. Mais tu feras ce qu'il y a de mieux en choisissant l'une d'elles, n'est-ce pas? Exact. Oui. Oh mon Dieu! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Peux-tu dire à ton ami d'arrêter de me déranger? Lequel? Ton ami! Qui, Obi? Obi, bien sûr! En fait, je pense qu'il t'apprécie. Vraiment? Il m'apprécie, mais tourne autour d'autres femmes. Tu en es sûr? Non. Tu ne mourras pas. Je ne te crois pas une seule seconde, ok? C'est impossible qu'il ne s'intéresse qu'à moi. Je sais qu'il s'intéresse à d'autres femmes. Alors non. Non, merci, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc fiche-moi la paix, s'il te plaît. D'accord. Quoi? Toujours en train de me déranger. Jésus. Ah. Ah. Qui peut bien cogner de cette façon? Laisse-moi voir. Ah. Qui es-tu? Vous devez être Sylvia, c'est ça? Ah. Entrez, entrez. Nous vous attendions. Non. C'est qui, non? Tu es la sœur de Charles. Non, je ne le suis pas. Je suis, je prends soin de sa mère. Son aide-soignante. Je n'étais pas au courant que sa mère était là. Maman! Bon après-midi, maman. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Merci, maman. Je ne savais pas que tu allais être là. Franchement, je ne savais pas que Charles avait une mère. C'est assez clair qu'il est tombé du ciel, n'est-ce pas? Bien sûr que non, maman. Oh, ça doit être mon chauffeur. Je vais aller descendre mes valises. Tes bagages? Sérieux? Ça fait tellement du bien d'être à la maison. Maman, as-tu faim? Parce que je suis venue bien préparée pour mettre ma nouvelle famille au petit soir. Tu sais, dans ce sec, il y a de l'ignat, il y a des légumes, il y a du manioc, du plantain. Maman, juste, montre-moi la route de la cuisine. Oh, c'est juste là, par là. Merci, merci. Devrais-je? Ok, je vais revenir. Tu veux que je t'aide avec tes sacs? Je vais t'aider. J'en ai besoin maintenant. Ok. Maman, juste détends-toi, ok? Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu es une... Oh, il est rentré. Hey, bonsoir. Bonne arrivée. Merci, bienvenue. Comment vous allez? Qui c'est? Hein? Ton invité. Quel invité? Sylvia. Sylvia? Quoi? Oh, Seigneur. Sylvia!
Non. Chérie, t'es de retour. Comment était le travail? Que se passe-t-il? Je fais le ménage. Es-tu prêt à manger? Car j'ai préparé une délicieuse ragoût de macabo pour maman. Et elle a adoré ça. Laisse-moi aller le manger. Non. S'il te plaît, ça va. Ça va. Bébé, je ne peux pas rentrer du travail et refuser de manger ma nourriture. C'est la première fois que je cuisine dans mon foyer conjugal. Que font ces sacs ici? Oh, ce sont mes vêtements. Je les arrangerai plus tard. Alors, laisse-moi aller te chercher ton repas. Juste, détends-toi. Tu vas bien? Ouais. Hey, j'essaye de dormir. Oui, mais tu devrais le faire dans ta chambre. Maman dort? Oui, elle dort. Je lui ai donné ses médicaments, elle s'est endormie. Ah. Écoute, je sais que je ne suis pas bien placée pour le dire, mais je pense qu'elle veut juste te montrer à quel point tu comptes pour elle. Elle veut juste que tu l'apprécies. Qui? Sylvia. Oh. Elle a lavé la salle de bain. Le placard. Les WC. Et si ça continue comme ça, bientôt elle me demandera de lui montrer mon derrière pour qu'elle le lave. Je suis fou, n'est-ce pas? Ah, ce n'est pas à moi de le dire. Je ne sais pas. Tu t'adresses à la mauvaise personne. besoin d'autre chose avant que je n'aille dormir? Non, c'est bon. Merci. Ok. T'inquiète. Oh mon Dieu. Je t'assure. Je ne savais pas. Un mauvais gars, et même un mauvais gars qui sort. Là, je vois ton vrai visage. Dis-moi, à quel niveau est-ce que t'es avec tes expériences? Quelle expérience? T'es petite, non? T'as pas avec tes femmes? Oh, ok. Sylvia va passer le week-end. Oh, super. Maman va l'apprécier. Je ne sais pas. Que veux-tu dire? Elle ne s'apprécie pas? Même si elle s'apprécie, maman est dépassée par le fait qu'elle veut faire toutes les tâches domestiques de la maison toute seule. Mais comment ça? Sérieux, mec. T'es sérieux? Très sérieux. Je peux pratiquement voir mes dents briller à travers la salle de bain parce qu'elle est tout le temps en train de frotter, laver partout. Je suis mort de rire. Ça veut dire que celle-ci, c'est le haut niveau, mec. Son cas, il est lourd. Peu importe, mec.
C'est terrible, mec. Dis-moi, comment va Bella? Je ne sais pas. Pourquoi tu me le demandes? Pourquoi ne pas lui demander personnellement? Mec, je ne peux pas. T'as oublié qu'elle n'a jamais répondu à tous les messages que je lui ai envoyés? Elle n'a jamais répondu à aucun. Aucun. Peut-être qu'elle ne t'apprécie pas. Un mignon garçon comme moi. Parce qu'elle peut... Elle se dit qu'on fait les mêmes choses. C'est pourquoi... Quoi? À cause de toi, elle pense que... Que je suis du genre à sortir avec trois femmes à la fois. Laisse tomber. Le grand tombeur. Laisse tomber. Où est passée cette serveuse? N'est-ce pas, j'ai dit, elle te fuit. Quand une jolie fille te voit, elle voit un vrai playboy. Du coup, elle ne peut que s'enfuir, mais... T'inflige tout ceci. Pourquoi? Hein? Quoi, pourquoi maman? Tout ce travail? Le nettoyage, le brossage, le repassage, le balayage, pourquoi? Ma mère m'a bien éduquée. Ma mère m'a bien éduquée. Je connais ma place dans une maison. Sylvia, si Charles décide de te marier, alors tu pourras laver, balayer la maison tout le temps comme tu veux et comme tu veux. Oui, maman. Pour le moment, tu en fais un peu trop. Hey, Dieu, maman, es-tu en train de dire que je ne suis pas si bien pour Charles? Non, Sylvia, calme-toi, c'est pas ce que je voulais dire. Maman, Sylvia, maman. Regarde-moi. C'est bon, respire. Expire. Maman. Écoute, c'est pas ce que j'ai dit. Mon fils n'est pas Dieu. Tout ce que je veux, c'est que tu restes toi-même. Ok, maman. Si mon fils avait voulu une domestique, il en aurait engagé une. Mais, à mon avis, tu en fais un peu trop. Ça, c'est quoi ça? C'est bon. Laisse toutes ces choses. Allons visionner ensemble, d'accord? Oui, maman. C'est quel genre de... Laisse ce balai tranquille. D'accord? Oui, maman. Oui, je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Tu peux tout déporter? Ouais, pas de soucis. Ah, maman, merci beaucoup. Je suis bénie d'être membre de votre famille. D'accord, t'es la bienvenue, maman. Ma fille. Alors, je suis sur le point de partir et je pensais que je devrais laisser une de mes valises ici. Non. Mets-le dans le taxi. Elle est grande et ça prendrait assez de place dans le placard, tu vois. Bébé, ici sera mon foyer conjugal, n'est-ce pas? Excepté si on déménage après le mariage. Oui. T'en fais pas. Charles fera tout lorsque tu viendras habiter ici, voilà. D'accord? T'inquiète pas. Ok, maman, sans souci. Ok. En fait, maman, j'ai laissé quelques réserves de nourriture pour toi à la cuisine. Hey. Je suis sûre que Bella te fera du délicieux plat avec. Ok. Merci. Plus, merci beaucoup. Ok, Charles. D'accord, ma fille. Bye. Ah, elle est lourde, celle-ci. Vraiment? S'il te plaît, prends-la. Je vais vous aider. Non, tu n'as pas besoin. Non, ça ne me dérange pas. C'est bon, okay. On peut partir. Bye. Ouf. 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 Elle est partie? Oui, maman. Salut. Oh. Elle n'est pas trop fatiguée? Non, elle s'est juste vite endormie aujourd'hui. Alors, que fais-tu? Je masse ses pieds
Ils sont enflés, alors ça l'aide à se sentir mieux. Ainsi, elle peut dormir sans problème. Merci. Pourquoi ? Pour ça, pour tout ce que tu fais. Oh, arrête, je fais juste mon boulot, c'est mon travail. C'est vrai. Dis-moi, tu as besoin de quelque chose ? Ouais, je suis venu lui dire que je... Irène arrive demain. Qui est Irène ? Oh, attends, la deuxième fille ? Oui, oui. Oh, ne t'inquiète pas, je la mettrai à l'aise, je prendrai soin d'elle. Ok, merci. Je t'en prie. D'accord. Salut. Salut. Je suis Irène. Oh. Moi, c'est Bella. Oh, la sœur de Charles? Non, l'aide-soignante de sa mère. Aide-soignante. Oh, c'est la mère de Charles? Oui. Ah, maman, comment tu vas? Je vais bien. Ah, est-ce que tout va bien? Ouais, tout va très bien, merci. Ah, ah. Maman, tu es infirme? Non, elle n'est pas infirme. Ok, désolée. Mais à qui appartient la béquille? Elle m'appartient. Je l'utilise pour m'appuyer dessus. Ha! Jésus! Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shama! Oh Jésus! Père éternel, je me tiens ici aujourd'hui. Oh Seigneur, regarde ma belle-mère. Partout où les ennemis essayent de se rassembler pour détruire ses genoux. Père, envoie ton feu. Le feu, le feu qui consume. Le feu, le feu, le feu qui consume les ennemis. Le feu! J'envoie le feu dans cette maison. Père éternel, guéris ma belle-mère. Au nom de Jésus. Ouh! Ouh! Roche! Les ennemis. Jésus! Jésus! Oh! Père éternel, protège cette maison au nom de Jésus. Allô? Bonsoir. J'aurais besoin que tu achètes de l'huile d'olive en rentrant à la maison. De l'huile d'olive? Pour en faire quoi? Ton invité dit qu'elle en a besoin. Mon invité, Irène? Oui. Dis-moi, où puis-je en trouver à cette heure? Essaye de regarder dans un supermarché. Ok, et que veut-elle en faire? Je n'en sais rien. De l'huile d'olive. Okay. Jésus, Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Oh, consume par. Qu'est-ce que tu fais? Je sens les mauvais esprits dans cette maison. Les mauvais esprits qui empêchent ma belle-mère de marcher sans ses béquilles. Ok, c'en est assez. Ma mère va bien. Ah! D'accord. Bébé? C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'une femme de prière dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi Dieu m'a emmenée dans ta vie? Écoute, je crois qu'il me faut une chambre haute dans cette maison. On va commencer par ici. Donc, je vais combattre matin et soir. Que le diable sache qu'on ne joue pas avec mon mariage. Oh, attends. On n'est pas mariés. Je veux juste voir si nous sommes compatibles. Bien sûr, nous sommes compatibles. Mais comment? Hey, mais qu'est-ce que tu C'est fais? C'est pour qu'est-ce ta que... protection, bébé. Ah. L'ennemi est derrière toi. Calme-toi, hein? Approche-la, mon amour. Je te désire comme une pécheresse. Ah.
Attends. Un instant. Je veux dormir. Dors. Mais... Non, dors. Hein? Dors. Ah. Père éternel, nous sommes rassemblés ici. Bénis ce repas. Oh, bénis ce repas, Père éternel, pour nous, afin de satisfaire notre faim. Père, je bénis mon foyer. Père, tout ennemi qui veut détruire les tiens, Père, disperse-les, consume-les par le feu. Père, je prie pour mon mari. Donne-lui la force et la sagesse de se décider. Père, je bénis ma famille. Je bénis ma belle-mère. Tout ennemi, consume-les par le feu, par le feu, par le feu. Seigneur Dieu. Amen. 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 Mais la nourriture va refroidir et maman doit manger pour prendre ses médicaments. Amen. Maman, je vais prier et jeûner pour toi, pour que tu n'aies plus besoin de médicaments ni d'une aide soignante. Hein? Oui, je vais prier pour toi. Tu es guéri au nom de Jésus. T'en fais pas, je vais bien. Désolé, prends de l'eau. Prends de l'eau. Vas-y, c'est prends bon. De l'eau. Je crois qu'il est temps de manger. Ouais. Désolé. Ah. Tu vas mieux? Mangeons, s'il vous plaît. Mangeons. Bon appétit. Ouais, t'as raison. Merci. Alléluia! Peut-on manger, s'il te plaît? La première était une domestique. La seconde, une femme de maison. Tout ça, pour toi. Toutes ces trois femmes sont tes petites amies. Mec, cette blague n'est pas bonne. J'aurais voulu voir de l'humour en elle. T'as raison, ces filles sont bizarres, mais comment les mettre dans mon lit? Tu es malade. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je m'en fous, mec. Ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas. Mais car écoute, hein? Je vais te dire un truc. J'ai vraiment besoin de ton aide. J'aimerais connaître Bella, mais j'aimerais mieux connaître cette fille. Obi, elle ne s'intéresse pas à toi. Comment tu le sais? Parce que je connais très bien les femmes. Si tu l'intéressais, je l'aurais su. Donc tu me demandes d'abandonner, de ne même pas essayer? Trouve-toi une autre femme, d'accord? C'est l'infirmière de ma mère. Je pense que tu veux sortir avec cette fille. Oui, malade. Je sors avec toutes les filles. Joue. Je ne te fais pas confiance. C'est moi qui ne te fais pas confiance. C'est moi qui ne te fais pas... Et si tu lui brisais le cœur et qu'elle décidait de laisser ma mère? Dis-moi ma mère dans tout ça. Ma mère et elle sont amies. À part le fait d'être son infirmière, c'est son amie. À condition que tu me promettes que tu ne lui briseras pas le cœur. T'es pas censé me faire la morale, mec, parce qu'on se connaît. Si on te laisse avec Bella, t'as ta longue liste de conquêtes, mec. Je n'ai pas l'intention d'ajouter qui que ce soit. Joue, s'il te plaît. À qui le dis-tu? Je ne te fais pas confiance. Je n'ai même pas besoin de ta permission, mec. Tel que je me connais, je vais découvrir qui est cette fille. Et je l'aurai, et ça va te faire mal. Joue. Ne t'inquiète pas, tu verras. Ouais, c'est ça. Hé, tu reviens ici. Irène, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sens que Dieu me dit quelque chose. Mais il est presque minuit. Les gens dorment. Je dois assister à une réunion demain à la première heure. Allez, viens dormir. Hé, check les bébés. Charles, est-ce que tu me trompes? Hein? De quoi tu parles? Réponds oui ou non, est-ce que tu me trompes? Bien sûr que non, arrête cette folie et viens te coucher tout de suite, s'il te plaît. Arrête cette folie. Mon esprit n'est pas en paix. Irène, voyons. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui cloche. Mon esprit n'est pas en paix. Ton esprit n'est pas en paix parce que tu ne fais que jacasser. Au lieu de venir te coucher. Allez, viens, viens. Viens te coucher. Embrasse-moi. Hein? Viens dormir. Thank you.
Jésus, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi. Jésus, Jéhovah Nissi, Jésus. Jéhovah. Lama Sabatani Kibo Reki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 k
Charles, mais vas-y doucement. Hein? T'as déjà assez bu. Charles. Oh, ce sont ces filles. Elles veulent me tuer. Non, mais laisse tomber. C'est pour ça que tu vas mourir. Allez, donne-moi ce verre. Tu veux te suicider? Non, mais regarde. Ouvre les yeux, mec. Regarde. Regarde le matron femme que tu es. Hein? Tu ne vois pas tous les plus beaux qui sont là-dedans comme toi, mec? Ouvre les yeux. Est-ce qu'ils sont déjà morts? Et toi, tu dis qu'ils vont te tuer. Qui va te tuer? Je ne veux plus rentrer à la maison. Et tout ça ne m'intéresse plus du tout. Je veux. Donne-moi ce verre. Oh, tu veux t'arrêter à un si bon chemin? T'as encore rien vu, mec. Tu veux que ta mère me tue, n'est-ce pas? Tu dors, pardon, lève-toi, va dormir chez toi, mec. Debout, mec. Encore un verre, s'il te plaît. T'as plus de force pour boire. Lève-toi. Oh, un instant. Lève-toi, mec. 5 minutes. Lève-toi et arrête de faire comme une femme. Ah. Regardez. Ça t'amuse, n'est-ce pas? Par ici, tu vois, mec. Regardez-le. Qui es-tu? Obi. Après toi, mon pote. Fais gaffe. Fais. C'est l'alcool. C'est l'alcool que t'as bu, mec. C'est ça qui t'a saoulé. Mais ne t'inquiète pas, mec. Dieu me nourrira encore. Attends. Où suis-je? Arrête, mec. Non, pas là. Ici. Regardez-le. Après, il va gueuler. J'ai la force. Je peux boire. Mais il n'a pas pu finir une petite bouteille. Il est là, tutubé comme du n'importe quoi. Tu vois ta vie? Que lui est-il arrivé? Hey, comment tu vas, Bella? Je t'ai posé une question. Tu veux parler de Charles? Il s'est saoulé la gueule comme un trouillard, tu sais. Mais tu me connais, je ne suis pas un trouillard, moi. Bella, tu sais, ça fait un moment que je veux que tu arrêtes de me regarder comme un membre de la famille, mais plutôt comme un homme qui veut faire sa vie avec toi. C'est tout? Oui, tu me plais et j'aimerais mieux te connaître. Écoute, je suis une personne très occupée. Le travail que je fais ne me laisse pas assez de temps pour ce genre de choses. Écoute, je n'ai vraiment pas le temps. Mais c'est moi, non? Nous ne sommes plus très jeunes. Il est temps qu'on se case. Ok, écoute. Pour que tu saches que je suis très serré là. Pourquoi ne pas me laisser amener notre femme qui pourra prendre soin de maman? Comme ça, on pourra avoir du temps pour nous deux. Ok, tu sais quoi? Cette conversation, peu importe comment tu l'appelles, est terminée. Tu peux... Est-ce ou fais quelque chose de mal, Bella? Tu peux juste partir, s'il te plaît, va-t'en. Tu rêves de moi, ok? Et pourquoi devrais-je rêver de toi? Rêve de moi, Bella. S'il te plaît, il faut sortir. Rêve de moi. Rêve de moi, Bella. Oh. Comment quelqu'un peut se saouler de cette façon? Ah, oh, c'est terrible. Ah. Oh. Bonjour. Bella, je suis désolé pour la nuit dernière. Vraiment désolé. Tu es toujours en train de t'excuser. Comment va ton bras? Je ne suis pas encore morte. Ça va. Comment va maman? Tu es sûr que ça t'intéresse? Oui, vous êtes ma famille. Les personnes les plus importantes de ma vie. Tu prends tout le monde bien soin de ma mère. Mais c'est mon travail, je suis infirmière. Non, c'est plus qu'un travail. Tu prends aussi soin de moi. Tu t'occupes de nous avec beaucoup d'amour, en fait. Oh, désolé, excuse-moi. Il faut que je décroche. Allô, bébé? Oui, probablement. Ok, eh bien, je t'attends. Anita est en route, mais je dois me rendre au bureau. Je ne sais pas si tu peux... Non, ce n'est pas grave. Je vais la recevoir. Oh, merci. Je t'en prie. D'accord.
Arrête, s'il te plaît. Laisse-moi, s'il te plaît. Oh. C'est mieux. Je ne savais pas que tu avais une mère malade. Tu ne me l'as jamais dit. J'ai une mère. Pas une mère malade. Mais elle ne peut pas se tenir debout toute seule. Ça, tu ne me l'as jamais dit. Oh, maintenant tu le sais. Oh, maintenant je comprends tout. C'est la raison pour laquelle tu ne m'as jamais invité. Hey, Anita, s'il te plaît. Je viens de rentrer. Je suis fatiguée. Ça se voit, non? Hein? Tu devrais au moins l'amener au village ou je sais pas. Pourquoi? Elle est assez âgée et devrait se reposer au village. Eh bien, j'ai une maison et c'est là où elle restera. Et en plus, elle a une nounou. Oh, la dame avec le même sale uniforme tous les jours. Non, ne parle plus comme ça d'elle. Wow, relax, c'était une blague. En te moquant d'elle. Bébé, j'étais pas sérieuse. Tu sais que je suis parfois t'es... Bien sûr que tu l'es. Arrête de te comporter comme une gamine, je ne veux pas plus de problèmes. Je suis désolée. Allez, vas-y, Jo. Ok, voilà. Tu ne me battras pas. C'est ça, les filles. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Maman, ça c'est pour toi. Et Bella, ça c'est pour toi. Waouh, merci. Je t'en prie. C'est très gentil de ta part. Merci bien. C'est magnifique. J'aimerais vraiment vous connaître toutes les deux. Mais bien sûr, c'est pour ça que t'es là. Oui. Viens. Viens te joindre à nous. Est-ce que je me souviens de la dernière fois où j'ai joué aux cartes? Ne t'inquiète pas. Je ne pense pas. Je vais t'apprendre. Ok. Laisse-moi zapper. Voilà. Vas-y, je vais vous battre tout à l'heure. C'est vrai. Alors... Eh, salut. Coucou, bébé. Waouh. Tu aimes? Bien sûr que j'aime. Et c'est ce qui t'attend toutes les nuits quand nous serons mariés. Ah bon? Tu veux que je te rejoigne, hein? Bien sûr. Bien. Ok. Tu es si jolie. Ok, allez. Ouh. Donc, vite-moi. D'accord. Hein? Ah. Charles! J'ai besoin d'aide, maman est en train de choquer. Quoi? Oui, elle choque, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît, viens. Maman! Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Que dois-je faire? Hein? Mets-toi derrière son dos, derrière son dos, oui! Ah, plus fort, oui. Désolé. Maintenant, appuie sa poitrine. Okay. Vas-y, recommence. Tu vas mieux? Dis quelque chose. Maman, ça va mieux. S'il te plaît, ne m'effraie plus jamais comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Que lui est-il arrivé? Ça va aller. Maman. Ça fait peur. Désolé. Je n'arrive pas à le croire. Hein? Vous êtes tout nu. Désolé. On a oublié de se rhabiller. Maman, je suis fatiguée. Allonge-toi comme ça. Oh mon Dieu, quelle frayeur.
Dis-moi, Gar, je voulais te demander quelque chose. Qu'as-tu décidé? Qui choisiras-tu? Vas-tu choisir Sylvia, la jolie et sexy, ou alors Irène, la guerrière de la prière, ou alors ce sera... Je ne sais pas. Comment ça? Tu ne t'es pas encore décidé? C'est que je ne sais plus quoi faire. Tu sais que t'es mon ami. Dis-moi un truc. T'es sûr de vouloir épouser l'une de ses filles? T'en es vraiment sûr? Tu sais que c'est moi qui vais gagner, oh, n'est-ce pas? Oh ouais, c'est ce qu'on verra. Je suis la gagnante de cette maison. En fait, dans toute cette ville. Non, dans tout le Nigeria. Marché central, c'est bon. Non, attends, sais-tu que j'ai gagné à Mango avant qu'elle ne rentre? Dans ce cas, tu ne vas pas mourir parce que tant que tu c'est es là, ça. Je vivrai 100 ans si je continuerai de te battre. Oui, oui, voilà. Pique de cartes, je te l'ai dit, maman. Je suis la meilleure. Je ne vais jamais cesser de te battre. Pique de cartes, maman, pique ouais, de. Oui. Je t'ai prévenu. J'aurai ma revanche, t'inquiète. Attends, juste un peu. Ok, j'attends. Ah! Prends ça. Alors, dis-moi, c'est qui la reine qui du marché maintenant? Attends. Ok. Alors, Charles. Oui, maman. J'ai rencontré tes copines. Sylvia, Anita et Irène. Laquelle des trois voudrais-tu épouser? Je ne sais pas. Y a-t-il une que tu préfères? Tu ne sais pas? C'est pas moi qui veux me marier ici, mais c'est toi. Montre que t'es un homme et choisis-en une. Je sais. Je ne sais juste pas quoi faire. Qu'est-ce que ton cœur te demande de faire? Mon cœur me dit de faire ce qu'il y a de mieux. Et c'est quoi la meilleure chose? Je vais leur dire la vérité. Je vais leur dire que c'était un jeu et une expérience. Ouf, je vais toutes les inviter, maman. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu dois d'abord penser à la santé de ta mère en premier. Je sais, Bella. Mais laisse lui faire ce que son cœur lui demande de faire. Maman, nous n'avons pas besoin d'un autre drame maintenant. Ce n'est pas bien pour ta santé. Je sais, t'inquiète pas. Tout est maintenant sous contrôle. Écoute, Bella. Je veux voir mon seul fils, mon seul enfant choisir une femme. Je sais, mais... Excusez-moi. Je te comprends, mais ce n'est pas une bonne idée. Pense à ta santé tout en premier. Tout ira bien. Tout ira bien. D'accord? Je continue de penser que ce n'est pas une bonne idée. Fais-moi confiance, Usoko. Fais-moi confiance, Usoko, ok? Bonsoir. Ah. Bonsoir, mon fils. Oh, attends. Quand tu m'appelles mon fils, ça veut dire que quelque chose ne tourne pas rond. Ah. Je ne comprends pas. Est-ce que je n'ai plus le droit d'appeler mon fils? Ok. Ok.
Charles. Hein? Mon amie est sur le point d'arriver. Elle a préparé la sauce orkpa. J'espère que tu vas aimer. Maman, ton repas est presque prêt. Oh non, 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 j'ai pas faim. Je veux passer du temps avec mon amie. Et manger avec elle du okpa. Et là, je serai heureuse. Ok. Si tu insistes, je vais faire quelque chose de bien et tu vas aimer. Je sais, je sais. Charles. Maman. Je veux que tu sortes avec Bella. Hein? Ouais. Amène-la dans un restaurant. Mais maman, il y a assez de nourriture dans la maison. Je n'ai pas besoin d'aller au restaurant. En fait, il n'a pas besoin de m'accompagner. Jeune dame. C'était quand la dernière fois que tu as mis une jolie robe? Une jolie couleur de rouge à lèvres. Et tu es sortie quand? Mais je travaille, je ne me plains pas. Je sais. Écoute, tu es mon infirmière et ma meilleure amie. T'es jeune et tu dois profiter de la vie. Tu sais quoi? Je veux que tu ailles dans ta chambre, que tu prennes une robe. Prends la meilleure de toutes d'entre elles. Je sais que t'en as une. Prends quelque chose de vraiment très beau. Hein? Fais-toi belle. Ok? D'accord, vas-y. C'est noté. Ok, mais permettez-moi de me changer. Mais bien sûr, vas-y. Vas-y. Allez, vas-y. Allez, hop, 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 hop. Oh, ok. Vas-y. Calme-toi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu stresses trop. Calme-toi. Ok? Ok. Wow. Ok. Regarde mon infirmière, belle. Hein? Oh, ma chérie. Vous deux, non, laissez-moi parler comme les jeunes. Vous allez vous éclater. Après ces deux semaines de folie, vous le méritez. C'est vrai, tout le mérite lui revient. Elle le mérite vraiment. S'il te plaît, après-toi. À tout à l'heure, maman. Merci, ma chérie. À tout à l'heure, maman. Bye. Ah. Amusez-vous bien. Je peux. Oui. Ok. Alors. Merci. C'était. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, j'ai passé une excellente soirée. Merci. Tu sais que. T'es spécial. Merci.
Où ai-je mis ces clés? Où? Ah, c'est magnifique. Ah, merci. Ok, bonne nuit. D'accord. Entrez. Ah, t'es là. Ah. Bella, je veux que tu saches. À propos de demain. Écoute, quelle que soit la décision que tu prendras, pourvu qu'elle n'empiète pas sur la santé de maman. Elle donne l'impression d'être forte, pourtant elle est très fragile. De grâce. Tu as ma parole. Ok. À quoi pensais-tu? Désolé, je ne voulais faire de mal à personne. Tu dis que tu ne voulais blesser personne, mais tu sortais avec trois femmes au même moment. Je l'avais bien dit. Je savais que tu me trompais. Cette vieille peau-là, ferme-la. Elle me l'a craché au visage. Et toi, tu me prenais pour une folle. Regarde-les. Attendez, oh. Donc après tous les travaux difficiles que j'ai faits dans cette maison, une bonne femme comme moi, qui sait faire la cuisine, le ménage, la lessive, t'a quand même eu le toupet de me tromper. Charles, tu es un salaud. Oui, je sais. Je mérite toutes ces injures. C'est bon. Peux-tu la fermer? Homme futile. Ça ne peut pas se terminer comme ça, oh. Je dois être récompensée. Je dois être récompensée pour tout le travail difficile que j'ai fait dans cette maison. Ce que tu veux, je te le donnerai. C'est comme tu veux. Charles, donc tu parles encore? Je n'arrive pas à le croire. Charles, donc tu veux dire que tu m'as trompée avec ces petites filles? De qu'est-ce que tu parles? T'es malade? Tu oublies que tu es une mauvaise position. Tu t'amuses, je te frappe. Parce que je joue à la bonne fille. Tu penses Non, je vous en prie. Je vous en prie, mesdames. Je vous en prie. S'il vous plaît, tout d'abord, je voudrais m'excuser. Maman, je tiens à m'excuser auprès de toi. Je suis désolé pour cette insulte. Pardonne-moi. Quant à vous, Sylvia, Irène, Anita, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous faire de mal. Je suis désolé de vous avoir entraîné dans tous ces désordres. Charles, nous te pardonnons. Juste va droit au but et dis-nous qui portera cette bague. On se trouve même la bague. Pardon, fais vite. Charles, parle, non, va droit au but. Un instant. La bague est là. Elle est là. Mais c'est qui encore? À ce moment important. Tu ne sais pas et tu me cries dessus. Y a-t-il une autre prétendante? Entrez. Tu l'as fait? Hein? Tu l'as déjà fait? Pas encore. Trouve-toi une place et assieds-toi. Ah, il est sur le point de le faire. Oh, Dieu merci, j'ai pas raté le plus important. Ok, les filles, je voulais juste... Je voulais... On t'écoute, ok? Je voulais dire que je... Je ne choisirai aucune d'entre vous. Hey! Wahala! Avec toute cette beauté et ce bagage intellectuel, je n'ai pas le temps pour ces bêtises, n'importe quoi. Toi, Charles, rien de bien ne t'arrivera. Rien de bien n'arrivera à ta futile mère qui est assise ici. Rien de bien n'arrivera à ta génération. Ah! Charles, après tous les travaux difficiles que j'ai faits dans cette maison, hein? Charles, si je ne veux pas 500 000 naira sur mon compte demain, Dieu, toute la nourriture, tout ce que tu as fait sur mon corps, tout le sexe, Charles, demain matin, si je ne vois pas 500 000 naira, Charles, ce sont les bandits de la rue qui vont remplir cet endroit, gâter ce coin, gifler ta mère et la tuer pour toi, n'importe quoi. Pardon, dégage de mon chemin. Oh, qu'est-ce qui te dérange? Charles, tu vois la bêtise dans laquelle tu m'as mise? Ce sont les mauvais esprits qui vous dérangent. Maman, si tu croises mon chemin, je te pousse sur le coin de ta tête.
Je vais vous délivrer. Tu n'es qu'une sorcière. Regardez cette femme. C'est la sorcellerie qui la dérange. C'est pour ça qu'elle ne marche pas bien. Elle marche comme ça. Et toi, si tu ouvres encore ta bouche, je t'assommer avec ce truc. Tu t'es joué de moi comme tu voulais. Tu penses que ça va s'arrêter là, n'est-ce pas? Je vous le rappelle, si l'un d'entre vous croise mon chemin, oh mince, je vais le finir. Attendez voir. Dieu va vous punir. On doit tous vous délivrer parce que vous êtes tous possédés. Mauvais esprit, regardez-vous dans les deux miroirs là. Les mauvais esprits vous accompagnent. Famille d'idiots. Mieux je pars continuer mon travail que je faisais avant. La prostitution. Hey, Charles. Regarde les fesses de la guerrière pieuse que tu voulais prendre pour épouse. Toutes ces fesses sont dehors. Aïe, Charles. Ouh. C'est tout ce que tu sais faire. Le commérage. Prends ça. Garde, tu vois ce que je disais? Laisse-la partir. Je t'avais prévenu. S'il te plaît. Ok. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre. Obi, ça c'est pour toi. Mec, laisse tomber, s'il te plaît. Prends-moi ça pour moi. Qu'est-ce que je fais avec ta bague? Comment ça, tu l'as acheté pour moi? Donc, c'est moi qui dois rester avec les problèmes, n'est-ce pas? Moi, je veux pas. S'il te plaît, arrête ta bague, mec. Arrête ta bague. Tu en as besoin. Plus que moi. Oh. Ok. Tu sais que dans tout le monde entier, la seule personne que j'aimerais voir porter cette bague... Bella. Je sais que tu penses que je ne suis pas sérieux. Mais tu te trompes. Je sais... ce que je ressens pour toi. Je veux t'épouser, Bella. Ah, Obi, je ne te connais même pas. Alors apprends à me connaître, Bella. Sois ma petite amie, après tu décideras si tu veux être ma femme. Parce que moi, je veux être ton mari. Allez, ça fait déjà 3 ans que je te cours après comme un idiot. Dis oui. Ok, j'accepte d'être ta petite amie. Oh, pour commencer. Oui. Ok. Alors là, c'est le meilleur anniversaire que je puisse avoir. C'est le plus beau jour de ma vie. Les gars, il faut qu'on arrose ça. Je vais chercher à boire. Merci. Ok. Merci. Maman, je suis désolé. Merci. Je vais nous chercher à boire. D'accord. Je ramène à boire. Maman des moments. Toujours. Merci, maman. Merci.